mettre l'accent, l'évangile a été porté par des fidèles jusqu'à l'autel. Chanté par la chorale des instituteurs de l'enseignement primaire, la messe a commencé à 6 heures en plein air, devant un millier de fidèles venus de tous les coins de l'île. Cette cérémonie du Saint-Sacrement a été concélébrée par Monseigneur l'évêque et les prêtres Sangato, Luca et Lafale, tous des anciens de Malaitoli, la mission. Coutumiers et élus ont manifesté leur joie en assistant à la messe avec les élèves de l'école de Malaitoli Betani. Invité, Père Sangato Iyau, qui a fait le déplacement depuis la Nouvelle-Calédonie, en disant l'homélie, a rappelé que les fers de lance du territoire, élus, religieux, administratifs et autres responsables, ont puisé leur savoir-faire à Malaitoli et que nous devons être reconnaissants aux anciens qui ont construit cette école. Aussi a-t-il appelé tout ce monde à œuvrer pour le développement de nos îles et le bien-être de tous. Ke whanau ia i ru tōko lāhi o tātou. Tātou ai ni ne tōu kamata ako haere i henu. Ako haere i te mauri pukata mai. Ako haere i te mauri sosiale. Ako haere i tōta tōu mauri i henu. I tōta tōu mauri whaka kristiano. Ne teu teu i tātou i henu. Ke tōu kamata uakai ki te pongipongi. Ke tōu kamata uakai ki te poto. Ke tōu kamata uakai ki te tauhi te kāinga. Ke tōu kamata ua kai ki te whewa whaa ki o tōu Māori. Nau hei ngāne teu teu i tātou i heni, i te potu ai ni e tōu whakatahi ei tāhanei. Tōko lāhi o tōu whenua ne au longo ai te rātio ana. Nā tōu ai ni kona tōu tūlā ki i te teritua. Nā tōu ai ni kona tōu tūlā ki i te iglesia. Nā tōu ai ni kona tōu tūlā ki i potu Filipē. Ne kamata whawhanga i heni, ne whakahuhu i mara e tori nei. Ne teu teu ia i ona tōu Māori, ke na tōu tue ilo ia te ala, ae tonu ke na tōu muri ai, pe amona tōu kumi ai ia tona tōu tupuanga. Mahalo kāinga lōtu ko he whainga Māori e, i te tauri mga fulu ani o mara e tōri nei, ke tōu Māoriu ki tana apio, pe amona tōu whaweta. Lecture, prière universelle et offrandes sont revenues aux enseignants du primaire et élèves de Malaitoli. Ici, l'on a surtout prié pour l'Église catholique, les autorités du territoire, la vocation, les familles, les malades et les jeunes. Et avant que Monseigneur donne sa bénédiction, le Père Luca a lu une lettre d'excuse du Père Soane Meknese, ancien de Malaitoli, qui n'a pas pu répondre à son invitation en raison d'une maladie. Avant le profane, l'évêque a d'abord procédé à la bénédiction de la croix et de la plaque commémorative des 50 ans de Malaitoli. Pour exprimer leur joie, les parents d'élèves ont préparé un repas assez copieux pour les invités et les participants. Autre point d'attraction, l'exposition de photos. Petits et grands et personnes âgées se sont attardés pour tenter de se reconnaître ou reconnaître quelqu'un de sa famille depuis 1947 jusqu'à cette année. Élèves, enseignants et employés de l'internat et de l'école ont été photographiés en noir et blanc ou en couleur. Des souvenirs. Malaitoli, je me souviens, cette exposition photo est aussi une façon de rendre hommage au rôle primordial de ceux qui ont œuvré pour la création de Malaitoli. Voilà qui ne manquera pas d'encourager ceux et celles qui continuent à œuvrer pour l'avenir et les perspectives de la mission.